Salut tout le monde, je viens avec cette vidéo vous présenter mon projet de fin d'études intitulé Une pause s'impose. Donc le projet a été encadré par Monsieur Lemdani Abdelrahman et Monsieur Swami Mohamed Adel dans l'universitaire 2019-2020 dans la spécialité patrimoine et plus précisément l'atelier VIP valorisation et intégration patrimoniale. Donc, le projet est situé dans la Kasbah d'Alger. Le choix de ce site d'intervention donc, a été fait par rapport à ses richesses en termes de patrimoine matériel, certes, mais aussi par rapport à sa richesse en termes de patrimoine immatériel. C'est ce qu'on appelle le patrimoine vivant. Donc, ce dernier nous donne le sentiment d'identité et d'appartenance à ce lieu. Donc, l'objectif de notre atelier VIP et de valoriser ce patrimoine vivant, et de le mettre en avant dans le cadre de la revitalisation de la Kasbah d'Alger. Alors, malgré toute la richesse que présente ce site historique en termes d'architecture, d'urbanisme, patrimoine, culture, tradition, etc., mais n'a toujours pas pu donc dialoguer avec son environnement dû à son enclavement, à son enfermement. D'où l'intérêt donc de choisir le boulevard Wlid Amdad comme la zone principale d'intervention. Ce boulevard-là constitue autrefois le rempart sud de la Kasbah. Il est situé entre deux quartiers adjacents populaires, à savoir Soustara et la Kasbah. Actuellement, il présente une rupture aussi bien donc longitudinale et transversale à cause de son manque d'animation, donc une absence terrible d'équipement attractif, mais aussi ses terrasses sous forme de gradins sont délaissées, non aménagées et non exploitées malgré leur potentiel paysager. Alors, suite à ce constat-là, j'ai décidé de m'inscrire dans une stratégie urbaine donc, qui a été préalablement élaborée par des étudiants de troisième année second cycle dans l'année universitaire 2017-2018, encadrée par Monsieur Echelalen et Monsieur Souani. Donc, la stratégie pose la problématique générale suivante, c'est comment revitaliser la Kasbah d'Alger en ravivant son potentiel patrimonial par la création des moments de pause attractifs. Alors, pour ce faire, ils se sont fixés les objectifs principaux, à savoir d'abord repérer les moments de pause sur toute la Kasbah d'Alger, tous les moments attractifs du site, puis les connecter avec des axes transversaux et longitudinaux. Donc, ce sont des balades, puis redynamiser ces balades-là par la création et l'injection de nouveaux équipements attractifs, bien évidemment, tout en valorisant le patrimoine. Alors, dans une vision un peu plus locale qui a été élaborée sur le boulevard Wlid Amdad, donc l'objectif était de perméabiliser et de dynamiser le boulevard aussi bien longitudinalement et transversalement. Alors, la toute première action était de créer deux polarités à l'extrémité de ce boulevard-là, puis les connecter par un téléphérique. La deuxième action était basée sur le réaménagement des terrasses en succession d'espaces publics thématisés, tels que des restos, des cafés, des aires de jeu, etc., afin donc d'encourager la marche. La troisième action consiste à reconquérir les friches qui se situent donc principalement dans l'aboutissement de ce boulevard-là pour y injecter des équipements attractifs, tout en valorisant bien évidemment le patrimoine existant sur ce boulevard-là, à savoir donc nous avons la citadelle, le bastion 8 qui se situe ici, nous avons aussi le marché, le théâtre international, la place Port Saïd et le port. Alors, ma parcelle fait partie des friches situées sur le boulevard. Son choix a été fait par rapport à ses potentialités, certes, mais elle présente aussi des inconvénients qui seront des challenges à relever.
comme une petite présentation de la parcelle. Donc, elle est d'une forme irrégulière de 1600 m². Elle présente un dénivelé qui varie entre plus 6 jusqu'à plus 9. Entourée principalement de bâtiments résidentiels de R plus 5, R plus 6, et est accessible depuis 3 rues. Donc, nous avons le boulevard piéton Les Dames Têtes qui est au niveau 00, la rue mécanique OCLD qui est à niveau moins 3. C'est une rue à l'échelle du quartier. Et la rue des Perchés qui est en dessus, qui va à son niveau qui varie entre plus 6 jusqu'à plus 9. Elle aussi donc, joue à l'échelle du quartier. Alors, la parcelle, par sa position, impose donc une double vocation. C'est-à-dire, elle joue entre deux échelles. La première, c'est à l'échelle du quartier, vu qu'elle doit assurer donc une certaine perméabilité, une connexion entre deux quartiers, Soustara, savoir Soustara et la Casbah, qui sont deux quartiers populaires par excellence. Et puis, à l'échelle de la ville, vu qu'elle est située sur un axe important, structurant, à l'échelle de la ville, transcrit dans une promenade à l'échelle de la métropole, c'est la promenade de la mémoire. Alors, cette promenade est ponctuée de bout en bout par des moments de pause, commençant par la citadelle, le bastion, les terrasses, le marché, le Tiana, Paul Saïd, le port, etc. Donc, en continuité avec les objectifs de la stratégie urbaine, aussi cette boucle de pause et l'analyse sensorielle, donc j'ai décidé d'injecter un event center transcrit comme un moment de pause sur le boulevard et qui répond aux objectifs principaux de la stratégie, à savoir donc perméabiliser, redynamiser et valoriser le patrimoine. Cette valorisation du patrimoine donc, se traduit par l'organisation d'événements et des fêtes locales en lien avec le patrimoine, telles que par exemple les expositions artisanales, des workshops et des conférences donc, thématisées sur la revitalisation de la Casbah d'Alger, les radettes chez Abia et bien d'autres événements. L'équipement est un vrai lieu d'échange, de partage, de la communication, du travail et le loisir aussi. Alors, ce qui m'a aidé à injecter ce type d'équipement, c'est bien l'accessibilité. Donc, le site est doté de plusieurs moyens de transport, tels que donc, les nouvelles stations de métro de Satouhada et les Boumengen, le téléphérique injecté, et aussi bien d'autres moyens de transport, donc le site. Donc, il y a proximité aussi de la gare maritime et le train. Sans oublier les stations de bus et taxi. Alors, le concept de la pause en architecture se traduit par la création des espaces publics, des espaces de regroupement, d'échange et de partage. C'est pour cela la toute première donc, action était de prévoir les moments de pause majeurs de mon équipement. Donc le premier se situe sur le boulevard Les Dames Têtes, le deuxième c'est sur la rue de Perchev afin de la redynamiser et le troisième moment de pause sur la ville, donc il est ouvert sur toute la ville. La deuxième action consiste à rattraper donc l'échelle urbaine par la création d'un socle urbain. La troisième action donc, consiste à rattraper les gabarits, donc à émerger avec deux volumes verticaux afin de rattraper les gabarits des bâtiments voisins et assurer une continuité de la rue de Berchef. Quatrième action donc, consiste à soustraire un volume du socle afin de créer le premier moment sur le boulevard Les Dames Têtes, mais qui sera aussi comme constitué aussi comme un seuil au projet. Donc la cinquième action consiste à créer donc un système de boîtes
Ces boîtes-là reprennent intégralement la géométrie horizontale des bâtiments voisins. Le but était de se démarquer sur le boulevard Oued Hamed Ed et dynamiser par des saillies. Donc cette superposition de boîtes m'a permis de créer donc des petits dégagements et des terrasses qui seront comme des moments de pause et de contemplation dans chaque niveau. Alors, ces terrasses-là, c'est à l'image des terrasses conviviales de la Kasbah d'Alger, donc autrefois, les maisons Kasbah étaient considérées comme un monde de regroupement, de partage et de contemplation du paysage. Par la suite, un volume tierce vient s'accrocher sur les deux côtés du système, sur le système de boîte. Donc, afin de rattraper d'abord l'échelle humaine sur le boulevard Oued Hamed Ed, et aussi rattraper le niveau d'accès sur la rue de Berchelif. Donc, cette plateforme-là constitue par la suite l'espace public sur le côté de la rue de Berchelif. Alors, les deux moments de pause créés sur le boulevard Oued Hamed Ed et sur la rue de Berchelif sont connectés par un passage urbain. Donc, ce passage-là est aménagé de telle sorte à créer de l'événement tout au long du parcours. Donc, créer déjà des moments de pause. Donc, l'escalier urbain, il a été créé à l'image des escaliers urbains de la Kasbah d'Alger, donc qui sont plus qu'un espace c'est plus qu'un passage, mais c'est des espaces de partage, d'échange et de regroupement aussi. Par la suite, dans quelques boîtes viennent s'accrocher sur les éléments verticaux afin de reprendre donc les lignes horizontales des bâtiments voisins et aussi recréer donc la perspective de la rue de Berchelif. Par la suite, donc un volume qui vient couronner le tout, c'est le volume exceptionnel qui jouit des échappées visuelles très intéressantes, à savoir par exemple le bastion 8, sur le bastion 8, sur la citadelle, mais aussi sur le tissu 19e et 20e. Alors, le centre événementiel est constitué de 6 entités principales, à savoir d'abord l'échange avec la ville, c'est tout ce qui est les cafés, les restaurants, etc. Alors, deux cafétérias sont indiquées au niveau de l'équipement. La première, c'est sur le boulevard Oued Hamed Ed, donc c'est sur l'axe le plus animé, et la deuxième qui vient accompagner donc l'espace événementiel. La deuxième entité, c'est l'échange et partage d'idées, c'est tout ce qui est les auditoriums, les salles de conférence, les salles d'exposition, les salles de workshop, etc. Alors, l'auditorium est positionné au sous-sol avec une partie dégagée, donc, car il n'a pas besoin d'avoir ni de lumière, mais aussi donc l'évacuation se fera facilement sur la rue aux athées. Pour l'espace exposition, donc l'exposition est située au premier niveau, en contact direct avec l'espace événementiel. Donc, en cas d'extension de cette activité vers l'extérieur. Alors, nous avons aussi l'entité travail, tout ce qui est les salles de réunion et les salles de travail. Alors, les espaces de travail sont situés en hauteur sur la rue de Berchelif, afin donc de profiter au maximum d'éclairage et du cadre. Pour les salles polyvalentes, donc, elles sont situées en intermédiaire entre les volumes, donc, afin qu'elles soient au service de toute activité. Pour l'entité gestion, donc, elle sera en relation directe avec l'entité travail. Et pour l'entité loisir, donc, c'est la partie commune de tous
l'équipement. Pour la partie hébergement, donc l'hébergement ne sera pas intégré dans mon équipement, mais justement je me base sur les équipements d'hébergement de mes camarades. Donc ces équipements-là se situent donc dans des parcelles à proximité de mon équipement. Alors, toutes ces entités sont distribuées par des circulations verticales efficaces qui aboutissent à chaque fois dans des halls. À leur tour, distribuent directement l'espace afin de minimiser les départitions spatiales. Ces halls-là jouissent d'une qualité de lumière très importante car ils donnent donc à chaque fois sur des espaces ouverts. Par exemple, si on voit ici l'espace en double hauteur qui jouit d'un cadrage de vue sur la Casbah d'Alger et ici par exemple sur l'espace événementiel créé. Pour ce qui est donc de la stratégie sécuritaire, donc a été basée sur la multiplication des accès d'évacuation et non pas les cages d'escalier. Ce qui m'a permis de faire ceci, c'est bien les choix architecturaux, à savoir donc la superposition des différents espaces publics créés à différents niveaux, le passage urbain aussi, et aussi la pente de la parcelle avec ses différents accès. Pour ce qui est de l'écriture architecturale, donc la première action était de vitrer le socle urbain afin de créer cette interaction entre l'intérieur et l'extérieur, cette interaction visuelle. Donc, c'est s'ouvrir à l'urbain. Donc, pour ce qui est du volume, donc du couronnement de l'équipement, donc le volume exceptionnel est aussi totalement vitré et protégé par un système de rideaux à l'intérieur afin de profiter du maximum des échappées visuelles sur la ville sous différents angles. Alors, les lignes horizontales des bâtiments voisins constitués par les corniches et les balcons filants se prolongent et fusionnent avec les dalles de mon équipement qui sortent en premier lieu afin d'assurer et d'assumer le système de boîte. Alors, la verticalité qu'affirme les bâtiments mitoyens avec le module de la fenêtre, donc a été repris par des panneaux verticaux amovibles de différentes tailles, prenant comme dimension de base donc la fenêtre des bâtiments mitoyens. Pour ce qui est des éléments verticaux donc situés sur la rue de Béchef, ils ont été d'abord vitrés afin de capter le maximum de lumière aux espaces de travail, puis protégés par une double peau. Donc le motif de cette double peau a été opté après avoir décortiqué la ferronnerie des balcons des bâtiments voisins. Puis modernisant, donc en simplifiant la trame pour qu'à la fin pour obtenir donc le motif géométrique épuré. Donc cette opération est un clin d'œil à l'architecture du 19e-20e siècle. Pour finir, je dirais que mon projet a pris en considération donc la valorisation et l'intégration patrimoniale depuis la grande échelle, donc depuis l'échelle urbaine, en répondant aux objectifs principaux de la stratégie urbaine, à savoir la perméabilisation, la dynamisation et la valorisation du patrimoine. Donc la dynamisation qui s'est concrétisée dans la création des espaces publics
de regroupement, de partage et d'échange entre les habitants, par la valorisation, donc la valorisation aussi par le programme, donc mon programme qui est riche en activités attractives, suscite donc les gens à venir donc visiter la Casbah, donc capter le flux, puis le redistribuer. La valorisation aussi patrimoniale a été intégrée aussi dans les choix architecturaux qui m'ont permis donc de dégager et d'obtenir des cadrages de vue imprenables, par exemple sur la citadelle, mais aussi et créer un balcon sur, donc c'est une fenêtre sur la Casbah d'Alger. C'est un patio revisité. C'est le patio de la Casbah qui est revisité. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis merci pour votre attention.